les idées cadeaux et plein de trucs et astuces pour faciliter vos préparatifs du temps des fêtes. Alors, on l'accueille à l'instant. Jean-Louis, j'ai dit Levrac, mais c'est pratiquement ça maintenant. On peut t'appeler Jean-Louis Levrac. Bien, le mot Levrac, ça se prêtait vraiment au magasin, parce que c'était ça. Et ma blonde, Levesque, Levrac. J'ai un artiste à la maison qui m'a aidé à choisir le nom. Et voilà. Donc, ce qu'on retrouve sur place en cette période de festivité, évidemment, c'est un choix impressionnant d'emballage cadeau. Et thèmes clés en main qui vont nous aider, parce qu'on sait que c'est une course effrénée pour se rendre à Noël. Et chez vous, bien, vous facilitez le magasinage des gens en proposant différents items, différents emballages cadeaux déjà prêts. Mais ce qui est intéressant à souligner également, c'est qu'on peut les personnaliser. Exact. On en a déjà tout prêt. On a pensé à différents emballages pour rejoindre les enfants, les ados, les adultes. Toute clientèle. Oui, partie de bureau, petits cadeaux, de remerciement, des choses. Fait qu'on a des emballages prêts. Et il reste que si dans tout ça, il y a ça me plaît pas, j'aimerais un petit quelque chose de plus. Oui. Ben, on peut soit l'agrémenter ou en faire un autre. Donc, on peut modifier peut-être les emballages qui sont déjà prêts, qui ont déjà été réalisés par l'équipe en place, exact. Ou on peut en créer un sur demande avec les choix et les préférences de chacun, en fait. Puis, comme on est rendu au temps des fêtes, bien sûr, celui qu'on fait sur mesure, si je peux dire ça comme ça, bien, ça prend un petit peu de patience parce que ça prend un petit peu de temps au travers de la cohue, tout ça. Mais on réalise là, normalement dans un délai rapide le besoin. Parce que vous, c'est une période quand même très effervescente, on le sait. Surtout, une épicerie comme la vôtre, très spécialisée, on retrouve une grande variété de bonbons, de farine, entre autres. Parce que là, on commence à faire de la popote, là. Hein? Bien, c'est le temps des recettes qu'on sort, qu'on dépoussière, puis nos belles recettes, nos recettes maîtresses, si je peux dire ça, les gâteaux aux fruits, les petits biscuits, les sablés, tout ça. Fait qu'au Vrac, on a une très belle qualité d'ingrédients qui vous permettent de réaliser ces recettes-là avec un maximum de saveur aussi, puis un maximum de plaisir. Et propriété aussi nutritionnelle quand même fort intéressante, parce qu'on a un souci de qualité. Quand on choisit un produit, qu'on entre en boutique chez vous, on s'assure qu'il est vraiment une belle qualité. Qualité, exactement. Oui. Un bel apport en vitamines et en minéraux aussi. D'ailleurs, on vient de rentrer la mélasse verte, oui, qui est une mélasse moins raffinée que la mélasse de fantaisie qu'on a à l'épicerie. Une teneur en sucre moins élevée aussi. Okay. Le même bon goût. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le goût est dénaturé? Au contraire, on retrouve le goût de la mélasse. Pour l'avoir essayé, le goût de la mélasse verte est quand même beaucoup plus présent et plus j'ai pas de mots, mais vraiment, vraiment agréable. On peut le percevoir davantage. Edmond, où je cherche ça. Puis l'autre affaire, c'est que la mélasse verte aussi a une teneur en fer beaucoup plus élevée. Oui. Fait que pour le bien-être de la personne, personne qui a besoin d'avoir des aliments. Peut-être de l'anémie, ça peut être un complément aussi à son alimentation. C'est pas une solution, mais c'est un bon apport dans notre alimentation quotidienne. On dit mélasse verte, mais la couleur est quand même assez foncée. C'est la couleur traditionnelle de la mélasse de fantaisie. Exactement. En anglais, on dit black strap, puis on ne voit pas le mot vert. En français, on dit mélasse verte. Parfait. Je veux porter votre attention sur la grande variété de chocolat fin, de truffes, de chocolat alcoolisé aussi qui sont rentrés en magasin. C'est toujours des incontournables à cette période-ci de l'année, je trouve, de s'offrir ça ou de l'offrir à quelqu'un qu'on apprécie également. C'est mon plaisir aussi de magasiner ces petites affaires-là. Mais on a encore cette année une belle variété de chocolat alcoolisé avec de la vraie alcool. Oui. Mon coup de cœur, mon préféré, c'est bien sûr chocolat à l'eau de vie Poire William, qui est juste là, en petite forme de poire, qui est délicieux. C'est magnifique d'ailleurs, on voit l'emballage comme ça ici. Là. On en a au whisky et rhum, on en a au rhum, on en a au gin. C'est tout des petites bouchées qui sont vraiment agréables. On a dans le temps des fêtes, c'est différent. Puis la saveur est au rendez-vous. Il y a également le calendrier de l'Avent, qui est une belle nouveauté que vous avez entrée en succursale récemment. Là, on sait que le 1er décembre, c'est jeudi. Les jeunes ont hâte d'ouvrir les petites cases, manger leur chocolat, puis faire le compte à rebours jusqu'à la réception du réveillon. Donc, calendrier de l'Avent que l'on peut se procurer dès maintenant. Oui, bien ça, on nous en avait demandé les années précédentes. Puis je trouvais pas un calendrier de l'Avent à mon goût. Qui convenait. Oui, je suis un petit peu difficile là-dessus. Puis Simon Cole, cette année, qui est mon chocolatier, qui fait mon excellent chocolat chaud, m'a offert un calendrier de l'Avent. Et les petits chocolats à l'intérieur,
Le prix est raisonnable, on parle de 15,80 $. Ah, c'est abordable. Mais ce qui est important, c'est que le chocolat goûte le chocolat. Et c'est du bon chocolat aussi. Effectivement. Fait que le plaisir est là, l'amusement est là, le cliché du calendrier de l'Avent devient agréable à ce moment-là. Exactement. Fait qu'avoir quelque chose à un prix raisonnable, mais encore là, qui goûte quelque chose, qui goûte bon. Parce que souvent, quand on se dirige vers des marques un peu plus commerciales, disons, souvent les prix sont exponentiels. On a vu une hausse du prix des calendriers de l'Avent. C'est un marché aussi, on s'entend. C'est très rapide, très condensé comme période. Alors, il y en a peut-être qui en profitent. Mais 15 $ c'est très abordable, je le concède. Puis, comme je vous disais, moi, l'important, c'est que la satisfaction soit là aussi. Exactement. Un petit peu comme tout ce qu'on rentre en magasin, qu'on ait un plaisir à déguster. L'esprit-là, on peut en acheter un pour les enfants puis un pour les parents aussi. Pourquoi pas? Leur chocolat, là. Pourquoi pas? Jean-Louis, si tu veux bien, on va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause. Et au retour, on va poursuivre la discussion parce qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps de faire encore le tour de l'îlot. Il y a vraiment beaucoup de choix. On a parlé de farine, mais aussi vos riz qui peuvent être très utiles, vos colorants à gâteau également, vos fruits congelés pour faciliter la préparation de nos recettes gâteau aux fruits, un classique du temps des fêtes. Donc, à la maison, on vous invite également à rester à l'écoute puisque votre rendez-vous télévisuel d'après-midi se poursuit après ces quelques messages publicitaires. Le Vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix, ça te permet de... Oh, hey, salut toi! Te rappelles-tu? Tant de façons de découvrir le monde tous les deux. Dans les moments les plus simples et ceux qu'on se rappellera longtemps. Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons. Bon, retour à moi. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires, ça te permet de m'avoir pour tous les besoins, simplement moins cher. La vitrine se poursuit en compagnie de Jean-Louis Lévesque, propriétaire de l'épicerie spécialisée Le Vrac du 226 rue La Fontaine de Rivière-du-Loup, juste à côté du bureau de poste. Vous ne savez pas exactement où c'est, donc vous n'aurez aucune difficulté à trouver cet établissement qui est devenu un incontournable pour plusieurs dans la région du Bas-Saint-Laurent. Avant la pause, on vous a parlé de suggestions cadeaux d'emballage déjà prêts. Et là, on vous parle de produits qui peuvent vous aider à la fabrication de vos repas du temps des fêtes, la conception de vos pâtisseries et tout, parce qu'on a un choix impressionnant d'ingrédients, de grande qualité. Donc, Jean-Louis, évidemment, vous êtes reconnu, entre autres, au Vrac pour la variété de vos produits, mais aussi pour vos beurres d'arachide, beurre d'amande et beurre de noisette, qui vraiment peuvent faire une différence incroyable, soit pour les brunchs ou même pour la préparation des biscuits dans le temps des fêtes. Là. Bien, la particularité, c'est qu'on fait ça avec des noix qui sont rôties spécifiquement pour le faire du beurre, et on n'ajoute vraiment rien, ni huile, ni sel, ni agent de conservation. Fait que le goût est beaucoup plus présent. Oui. On n'a pas, c'est pas camouflé dans du sucre, c'est pas avec du sel ou quoi que ce soit. C'est vraiment le goût de l'arachide, de la noisette ou de la mangue. Fait que et la valeur nutritionnelle est impeccable. Ce n'est pas un produit qui est transformé. C'est ce qu'on conseille évidemment aux gens d'éviter le plus possible.
plus c'est raffiné, plus c'est transformé, moins les propriétés nutritionnelles sont présentes dans le produit. Mmh. Alors qu'avec ce type de beurre, eh bien évidemment, on est assuré d'avoir le bon goût des arachides, amandes ou noisettes. Et souvent de fois, bon, vu que c'est quand même très populaire, on en prépare quelques plats d'avance sur le comptoir, mais ils sont faits de la veille ou du matin même. Fait qu'il n'y a pas d'entreposage. C'est vraiment des produits qui sont, si on parle de date de péremption ou de durée de vie, bien, vous êtes à journée 1 du plat de beurre de pinot. Et voilà, ça fait pas 6 mois qu'il a été fait, là. Non, exactement. C'est ça, pas déjà, là, c'est un plus. Faut parler aussi de vos friandises pour le temps des fêtes, parce que souvent, c'est une période de repos pour plusieurs. Ouais. Les enfants ont congé d'école, les parents prennent quelques jours, souvent pour se recharger les batteries, ouais, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on fait souvent quand il fait pas beau à l'extérieur? On regarde des films. Popcorn, nougat, c'est vraiment les gâteries par excellence que l'on peut découvrir chez vous également. Effectivement, nos gâteaux de nougat sont arrivés. On a des belles tranches de nougat. C'est plus une portion individuelle. Non, c'est une portion qu'on partage. C'est presque familial, là. Oui, oui. Mais la qualité du produit, le goût est vraiment intéressant. Est arrivé aussi avec j'ai reçu mes plaques de chocolat, oui, avec chocolat noir et amande, chocolat au lait et amande, que l'on casse, on fait des petits morceaux, ça donne, au lieu d'avoir un beau morceau carré, la curiosité est là. Et on a reçu aussi nos lunes de miel. Ah. Ça, c'est notre chocolaterie de Stoneham qui nous fait ces produits-là. Pastilles de miel enrobées de chocolat noir, et c'est du bonheur, ça, c'est... souvenir de jeunesse bonheur aussi. Bonheur en bouche, ouais, c'est oui, c'est ça, pour plusieurs, c'était vraiment... Bien, le produit original ne se fait plus. Mm-hmm. La compagnie qui les faisait a discontinué le produit et la chocolaterie a trouvé une recette, faire une petite pastille de miel et l'enrober de chocolat noir qui est très agréable. Écoute, c'est tellement de beaux produits. Produits intéressants aussi, notamment pour la fabrication des desserts des fêtes. On sait que souvent, ça prend plusieurs ingrédients. On aime la fraîcheur, on aime la qualité. Et ce que vous proposez avec vos fruits gelés, eh bien là, déjà là, ça donne un bon coup de pouce parce qu'on a toute la propriété nutritionnelle, toute la saveur du fruit qui est conservée par le biais de ce type d'emballage. Bien sûr, il nous reste des fruits glacés en magasin. On a des dattes, on a tous les fruits séchés, raisins, canneberges, qu'on a besoin pour faire cerises, qu'on a besoin pour faire nos pâtisseries des fêtes. On a aussi nos essences de vanille qui sont là, les colorants alimentaires. Vos pâtes d'amande, est-ce que vous aviez encore des pâtes d'amande? C'est quoi, vous aviez des pâtes de quoi, donc? Pâtes à gâteau, c'est quoi, vous aviez, donc? Là, tu me cherches. Mais non, je sais pas. Ici, le cherche, c'est quoi? En tout cas, il y a tellement de choix que ça allait continuer. Il y a bien des choses. Il y a des choses à cause de la pandémie qui ont disparu, malheureusement. Ça, on n'a pas le choix. Peut-être qu'on en a parlé à l'époque, puis il n'y en a plus. Il y a des jujubes qu'on a de la misère à avoir de ce temps-ci. C'est un peu... Pas mes framboises, toujours. Là, il faudrait que tu viennes au magasin. Mais dans l'ensemble des produits, les produits de base, par contre, on est capable d'avoir... On a un très bel inventaire. On n'a pas eu de pénurie sur la farine, ni sur le sucre, ni sur la cassonade. On en a amplement. Aussi, hein? Vous avez d'excellents riz. Toutes les quantités sont arrivées, toutes les livraisons sont complètes, il n'y a pas eu de rupture. Même les épices aussi. Oui. On a un petit coffret ici. Coffret épices, c'est toujours intéressant à offrir ça. Hein? Parce que quand on cuisine, c'est pratique d'avoir qu'est-ce que ça nous prend pour agrémenter, rehausser la saveur d'un plat. Exact. Bien, écoutez. Puis ça s'offre bien en cadeau. Je suis encore allé magasiner cette année des petites boîtes pour le plaisir. Et on peut faire un montage. Là, on a fait un montage épices. On peut faire poivre, le montage. Poivre, citron, assaisonnement de poisson, fines herbes. C'est vraiment très varié. Puis on choisit en fait les épices que l'on veut mettre dans le coffret, je présume. Exactement. Puis on a mis des petites gousses de la région de Saint-Paul-de-la-Croix puis de Rivière-du-Loup. Fait que le coffret reste après utilisation. Puis les gens, ils ont les noms des épices, ils sont en amour avec, viennent au vrac, puis on refuse la bouteille. On remplit le pot, puis... Exactement, on s'amuse comme ça. Tu parlais d'ail de Saint-Paul-de-la-Croix. Il y a aussi les emballages de produits locaux. Ceux et celles qui ont conscience vraiment à encourager le local, les producteurs, transformateurs d'ici. On le voit ici, par exemple, avec cette vinaigrette de l'Homellerie qui provient de Saint-Paul-de-la-Croix. Saint-Paul-de-la-Croix aussi. Les Camerises viennent de Lejeune. Fait qu'on a un bel inventaire de produits locaux qu'on utilise dans nos emballages cadeaux, qui sont accessibles aussi individuellement. La personne veut juste la vinaigrette, on l'a en magasin. Ce n'est pas que pour les emballages cadeaux. Fait qu'on a, c'est avec fierté qu'on promeut les produits qui sont faits ici. Une belle qualité, ça n'a rien à envier à toujours, je le dis souvent, mais les produits des grands centres sont pas... Le savoir-faire d'ici n'a rien à envier à celui des grands centres. Exactement, ça se compare très bien, puis souvent de fois, c'est meilleur marché.
Effectivement, oui, c'est vrai, parce qu'on évite les coûts de transport qui sont souvent exorbitants, notamment avec la hausse du prix de l'essence. Donc, ça fait en sorte qu'on a souvent une meilleure qualité de produit pour un prix plus abordable, disons ça comme ça. Jean-Louis, ça a été un plaisir. On se verra dans quelques semaines, puis ta dernière avant les fêtes. Évidemment, on vous a parlé surtout de confiserie, de bonbons aujourd'hui parce qu'on est à l'approche du temps des fêtes, mais il y a d'autres types de produits. C'est pourquoi on vous invite à vous rendre au 226 rue La Fontaine, Rivière-du-Loup. D'ailleurs, l'horaire des fêtes sera dévoilé sous peu. On vous invite à vous rendre sur la page Facebook du commerce pour savoir à quel moment vous pouvez aller voir Jean-Louis et son équipe. Pour passer vos commandes, commandes@levrac.ca. Et moi, je vous dis à demain et merci d'avoir été à l'écoute. Tu devrais régler les comptes avec ta mère. Hey! À coucher avec mon mari. À partir de maintenant, je vais la tenir à distance. Ça va tenir combien de temps, ces bonnes résolutions-là? T'as une dette. Hein? C'est écrit où, ça? T'as pas idée de quoi je suis capable. Si tu me pousses à bout. Désolée, je peux rien faire de plus pour le moment. J'ai expressément pris la peine de venir dans sa succursale pour que les fonds soient pas gelés. Ah, c'est pas ça le problème. Ma mère, ce soir, 20h. Une présentation de l'aspirateur central Citlovac. Bon mardi, mesdames et messieurs. Les dés sont jetés au Nouveau-Brunswick. Les électeurs ont voté pour porter au pouvoir les maires des nouvelles agglomérations qui seront